Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule eh bien, pour vous parler de l'archange Métatron, mais vraiment en deux mots, n'est-ce pas? Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin. Et en réalité, Métatron et son frère jumeau, Sandalmon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien Métatron a vécu sur terre comme Sandalmon. Grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous, humains, nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet ainsi de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de l'archange Métatron est le vert foncé. Alors là, je vais vous citer une prière avec l'archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient et n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain.
de mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie avec toute ma gratitude. Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 5 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, tout passe par la pensée, n'est-ce pas? J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourris le plus. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le Christ en soi. Alors, moi, je l'appelle le Créateur. Maintenant, on peut l'appeler le Christ, Mohamed, Allah, Joséphine, Joseph, Jean. Pour moi, le nom n'est pas important. Pour moi, il y a un Créateur. Point. On peut lui donner le nom qu'on veut. L'essence du Créateur vit en vous. En méditant, eh bien, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres, n'est-ce pas? Suivez la voie du Maître, oui, Jésus, Sananda, voilà. Suivez la voie du Créateur. Il est maintenant, eh bien, temps avec cette carte de vous remémorer les enseignements du Créateur. Que vous l'ayez connu ou non dans une autre vie, ces vibrations vivent en vous. Et vous vous devez de les ressentir. Si vous ne ressentez pas sa présence, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez élever votre conscience et ouvrir vos chakras pour bien les aligner. Le Créateur est un être d'amour avant tout, n'est-ce pas? Notre Créateur est un grand ordinateur cosmique. Vous avez la possibilité d'avoir de belles vibrations. Et avec cette carte, eh bien, vous avez besoin de réconfort. Et vous avez besoin d'une épaule pour pleurer. Notre Créateur, n'est-ce pas? Il est là pour vous. Et je vous offre ce message. Il vous offre ce message. Je suis la lumière qui te montre le chemin à suivre. L'amour est la plus grande richesse de ta vie. Sois amour, sois lumière. Posez-vous cette question. Pourquoi je vis de la tristesse? Pourquoi je vis du découragement? Pourquoi je vis de la peur ou du doute?
Est-ce que vous vous sentez obligé d'accomplir une tâche contre votre gré, juste pour faire plaisir aux autres? Eh bien, notre Créateur vous dit de ne pas le faire, car votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous faites imposer aucune situation et soyez capable de dire non afin de vous respecter. Ce n'est pas bon de dire oui pour faire plaisir aux autres, il faut que ça vous fasse plaisir. Et si ce n'est pas bon, si vous n'en avez pas envie, eh bien, affirmez-le. Soyez capable de dire non pour vous respecter. C'est tout à fait normal, je trouve. Voilà. Il ne faut pas être ce que les autres attendent de vous, hein. Avec cette carte, vous hésitez à prendre une décision et vous demandez l'opinion des autres. Vous avez besoin, à l'heure actuelle, présentement, d'un guide, d'un coach de vie, d'une aide pour poursuivre votre cheminement spirituel. Petit exercice, écrivez une lettre à notre Créateur. Et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Et ensuite, pourquoi pas méditer sur cette lettre et soyez, eh bien, attentif ou attentive aux signes qu'il vous enverra, parce qu'il vous enverra des signes. Si vous êtes réceptive, si vous êtes à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Quel beau message! On termine avec l'énergie de guérison et j'ai pigé sérénité, l'amour, le lâcher prise et le travail intérieur, eh bien, m'apporte la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je m'entretiens. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. Je suis positive. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Je vous souhaite une très jolie journée et tout passe par la pensée, mets de la lumière, dans ta vie. Sois optimiste, lève-toi le matin et remercie l'univers, eh bien, pour la belle journée que tu vas passer. On se retrouve demain. D'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain.